Et ils sont partis pour cette deuxième course sans Moon Jumper, avec Amanda sollicitée, James Peter également. Donc James Peter qui va essayer de se rabattre à la corde devant Al Jazeera. Amanda, on retrouve par la suite de Gypsy King. Rochester qui évolue à son intérieur, à l'arrière, well connected. Et Great 5-8 aux abords du tombeau malartique. Donc c'est le grand favori James Peter avec Nabil Sheikh Bajamia qui dirige les opérations. Longueur d'avance sur Al Jazeera. Manla s'est placé en troisième position sur les barres. De Gypsy King évolue pour l'instant à l'extérieur. Rochester court bien caché en embuscade, donc en cinquième position. Encore un peu ardent de Gypsy King en dehors. Ensuite, Samuel connecte des Great 5-8. Ferme toujours le cortège à 600 mètres de l'arrivée. James Peter n'est pas inquiété en tête de cette épreuve. Al Jazeera qui reste cependant au contact avec Amanda qui est en parcours idéal en troisième position. The Gypsy King, Rochester, well connected qui va se rapprocher dans le dos de The Gypsy King. Et Great 5-8 va attendre l'ouverture en ligne droite à 400 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent. James Peter qui a toujours toutes ses chances avec Al Jazeera. Amanda à l'intérieur, il faut le suivre. Rochester, attention également à lui en pleine ligne droite avec James Peter. Rochester qui va bien terminer à l'extérieur. Well connected et les autres. Rochester qui tente d'accrocher James Peter. Well connected qui termine fort en dehors. James Peter avec well connected qui termine en bolide. Well connected James Peter. Rochester. Well connected monté par Robbie Bicari qui gagne comme il avait fait une fois avec Federer. Regardez à l'extérieur, Rochester nous sort une bien belle course. James Peter tente de s'accrocher lui aussi. Regardez ce finish de Robbie Bicari sur Well Connected. James Peter, Rochester. Mais Well Connected va terminer le plus fort à l'extérieur pour faire la différence face à James Peter et Rochester.